Salut à tous, j'espère que vous allez bien, nous sommes de retour sur Fear Effect de Retro Helix et nous sommes, regardez, toujours avec la plantureuse Anna. Et donc je vais prendre, je pense, cette porte qui est là. Pourquoi? Parce que il faut que je fasse gaffe. Je prenne mon arme, parce que c'est vrai que à chaque fois qu'on reprend une partie, ça nous supprime. Là, tiens, je vais prendre cette arme-là. Je sais pas ce que c'est. Je l'ai trouvé dernièrement. Et en fait, je pense que maintenant, ah oui, il va falloir que je rentre avec ma carte. Je pense que maintenant, il va falloir que j'installe le fusible, puisque j'ai qu'un fusible pour trois pièces alimentées. Je crois que je me suis tué au passage. Enfin, je me suis pris des dégâts au passage. Et il va falloir que j'installe ailleurs. Alors, juste avant, j'avais installé tout en haut, je crois. Ouais. Et là, il y a deux pièces supplémentaires. Et je sais pas lequel c'est. Je vais essayer celui-là. Et maintenant, il va falloir retrouver la pièce. Parce que, voilà, la dernière fois, j'ai eu ce truc-là. J'ai eu une carte génétique. Et ben, il va falloir trouver quoi faire avec cette carte génétique. Enfin, décidément, leur mission est super chiante à Anna et Rain. Oh, putain, c'est chiant ça aussi. Parce qu'il s'agit vraiment de jouer avec l'ADN là qu'elles ont chopé avec le cheveu là du mec. Faut aller où maintenant? Et je sais pas pourquoi en fait. Si je me trompe pas, c'est là, non? Non. Ça justement, c'est l'ancien. C'est l'ancienne. Attends, c'est quoi ça là? Je peux pas interagir avec ça. Non, ok. Ça m'aurait gavé. Parce que ça aurait voulu dire que il aurait fallu réintervertir les fusibles. Du coup, je sais pas vraiment où je dois aller. Alors, je pense que finalement, la pièce que je cherche se trouvait à côté de celle où j'ai interverti les fusibles. Il y avait deux pièces juste à côté et c'était probablement une de celles-ci parce que c'est pas non plus très grand là où je suis. Attends, ouais, il va falloir réinsérer la carte de sécurité. Alors, à chaque fois, hein. Oui, je crois que c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Une espèce de machine ronde. Non, mais c'est pas ça en fait, je crois pas, je sais pas. Si j'essaie d'interagir avec ce truc, ça donne quoi? Carte génétique. Nope, ça marche pas. Ouais. Là, je peux agir avec ce truc, mais ça m'explique juste comment fonctionne le génétique. Et ça m'a l'air d'être une énigme bien chaude. Et là, ici, il y a quoi? Je me souviens plus. Ah oui, il y avait cette porte là. Ouais, mais alors cette porte. Je vois pas comment l'ouvrir. J'ai tout essayé. Voilà. Je vais refaire. Carte génétique, pourquoi pas. Quoi? Ah, d'accord. Carte génétique, parce qu'en fait, oui, c'est le mec à qui on a piqué la mèche de cheveux doit bosser ici. Et du coup, il doit faire un échantillon de sang, j'imagine, à chaque fois qu'il veut rentrer. Oh putain! Agir. Attends. Wouah, j'ai pris tellement cher. Cartouche de gage peut-être. Pour qu'on puisse voir les rayons. Hey. Joli. Ah. Pas mal. Je déteste les énigmes. Oh, en plus c'est tendu, hein. Ouais, bah, mais c'est grave tendu. C'est très tendu. C'est bon, voilà, j'y suis. Hop, putain, tu passes de justesse. En fait, je suis obligé d'anticiper un petit peu pour pas me prendre des dégâts. Oh! Mais attends, mais c'est traître! Tu passes l'écran tu passes l'écran que tu vois pas ce qui se passe et tu te prends le dégât, quoi. Rain, I'm in this hallway lined with infrared lasers. The freaking door at the end is locked. Let's see. Okay, no sweat. I can open the door, but then you'll be dead. Oh, there's tons of cat eyes and securities on the other side waiting for you. Stay put. I'll have to do something with those guys.
Bouge pas, je vais essayer de faire quelque chose. Ok, de nouveau au contrôle de Rain. Ah oui, c'est vrai, Rain qui est en tenue ennemie. Hein. Bon, bah. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose à fouiller ici. Les autres gardes ont quitté les lieux. C'est quoi ça? This computer should control the cat eyes. Well, let's have some fun. You're set, Hannah. What was that ruckus in there? Oh, nothing. Just started a little cat fight. Ah voilà, c'est bon. On est débarrassé des gardes et des yeux de chat en même temps d'ailleurs. Ah non, pas tous. Et en plus j'ai regagné toute ma vie. La bonne nouvelle. Par contre, il y en a un qui reste. Il y a quoi dans cette salle? T'as un moniteur bleu là cette fois-ci. Il y a des moniteurs bleu, jaune, rouge, vert, je sais pas quoi. Comme l'énigme avec l'ADN. Ça, je vais pas aimer du tout. Meuf. Si. je sais pas pourquoi, elle s'est désarmée. Voilà. C'est mieux quand t'as ton flingue, hein. Ah putain, mais c'est genre un putain de lance-roquette qu'elle a en fait. Waouh, le truc est radioactif et tout. Je sais pas si c'est une bonne chose de rentrer là-dedans aussi. Oh putain. Tu m'étonnes que c'est une arme un peu cachée, quoi. Il y a des... ce qu'ils appellent les yeux de chat un peu partout, hein. C'est quoi, ça? Agir. I don't think so. On va essayer ce que j'ai sur moi. Nope. La carte génétique? Nope. Ça, c'est le truc avec l'ADN, hein, visiblement. Enfin, on le voit avec les couleurs. Disque code ADN peut-être? Oui, ça marche. Hop, hop, hop. Alors, ok, je crois qu'on en revient du coup à l'énigme qu'on a vu où il fallait assembler juste certains ADN avec juste certains ADN. Carré, rond. C'est-à-dire. Alors, moi je peux aller dans les. Truc vide, je comprends pas. Je sais pas. Je sais pas. Je comprends pas quoi faire. Il manque quelque chose. Bah, je sais pas. J'ai certainement pas ce qu'il faut pour répondre à cette énigme là tout de suite. On va continuer à explorer, hein. Bon, j'imagine que la grosse porte qu'elle a, je peux pas l'ouvrir, elle. Parce que je crois que même avec ma carte de sécurité, ça ne passe pas, évidemment. Ouais, la carte génétique, pourquoi pas. Peut-être qu'elle est codée pour que seul le mec puisse rentrer. La cloche. Des fois que... J'aurais même pas été surpris que ça marche. Eh, c'est quoi ça? Oh non! C'est là où il fallait remettre le fusible. C'est pour ce truc-là. Je sais pas à quoi ça sert, mais il faut le remettre. Alors moi, je veux bien le remettre, mais alors, il faut repasser par la salle des lasers et... ouais, c'est pas super... agréable, quoi. Allez! Allez, 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 petit dernier, allez, arrête-toi, allez, on y va. Bon. Ok, bah c'est pas grave. En fait, elle est pas très loin, finalement, cette salle où il y a les fusibles, elle est juste là, en fait. Je pense que si je le fais pas maintenant, je vais être bloqué, donc, agir. Voilà, on le reconnaît, c'est cette espèce de cylindre-là qui est en bas. Ok, normalement maintenant il est alimenté.
Hop. Parfait. Est-ce que je vais pouvoir re-rentrer ici ou il va falloir encore montrer l'ADN là? Ah, évidemment, ça marche pas. Carte génétique. Voilà. Bon. Il y a un petit bruit avant que ça disparaisse, je crois. Voilà. Ouais, ça s'est mal passé sur la fin. Bon, alors, ça s'est fait. Oh là là, j'avais toute ma vie, je suis dégoûté, quoi. C'est quoi, ça? Nope. Bon, va falloir faire quelque chose avec ça. Je pense pas que... Je pense que mettre la carte génétique, c'est pas une bonne idée. Disque code ADN... La cloche? Bah, je sais pas trop. Et utilisez votre help sur la porte grise à gauche. L'help sur la porte grise à gauche? Quoi? J'ai pas essayé? Ah bon? J'ai eu quoi? Attends, éprouvette à centrifugeuse. Je pense que je sais où ça va, ça du coup, parce que... Non, pas ici. Parce qu'une centrifugeuse, bah ouais. Il y a bien ce qui ressemble vaguement à une centrifugeuse. Là, ça, c'est une centrifugeuse, ce machin-là. Allez, on remue. Éprouvette stérilisée. Ah, mais c'était juste pour ça, en fait. Est-ce que, par hasard, il faudrait utiliser l'éprouvette que je viens d'obtenir sur chaque ordinateur avec une couleur différente? Nope. Ouf, ça me rassure un peu. Par contre, je sais pas quoi en foutre. Alors, déjà, je pense que maintenant que j'ai l'éprouvette... C'est une bonne chose de revenir dans la salle du fusible. Parce que maintenant, en fait, il n'y a plus qu'une salle dont j'ai besoin, et c'est celle-ci. Voilà, il y a encore quelque chose à faire ici. Et donc, on va tenter ça tout de suite, d'ailleurs. Peut-être que c'est là que je dois utiliser mon éprouvette. Je sais pas trop, en fait. On va le voir tout de suite. De toute façon, c'est pas très loin, c'est ici. Hola, hola, pourquoi ça a fait ça? Y'a des gens? Putain! Grenade IEM. Parce que ça a l'air bien. Ces machins-là, ils sont contrôlés à distance ou je sais pas quoi. Alors voilà. Ah, d'accord. Ça se charge. Bon, alors. Petite grenade IUM, on va voir ce que ça donne. Ok, par contre, ça les immobilise, mais à mon avis, ça va pas durer longtemps, ça. Hein. Ok, parfait, parfait. Bien, bon bah je dois être dans la bonne salle puisqu'il y a des ennemis qui m'agressent. Alors, est-ce que je peux utiliser mon éprouvette ici? Ouais, ouais. Putain, mais qu'il est compliqué ce jeu. J'ai eu quoi encore? Échantillon ADN 4, échantillon ADN 1, 2, 3 et 4. Ah, mais c'est très rigolo. Bon, je peux toujours pas interagir avec les écrans qui sont là. Genre, j'utilise l'ADN rouge. Si, ça marche!
Ça veut dire qu'il va falloir le refaire avec tous les... avec tous les échantillons. Ah mais du coup ouais, ça m'a retiré mon échantillon. Oh putain. Oh non mais c'est pas vrai. Bon. C'est ça, ouais bon, allez, ça va. Ça c'est pas trop compliqué. Je dois juste trouver les échantillons ADN qui sont planqués un peu partout. Sauvegarder au passage parce que... j'ai plus beaucoup de vie. Ouais vas-y, en plus on va profiter, là on a un petit coup de fil. Attends, je suis désolé, c'est mal poli de ne pas répondre au téléphone, mais je trouve plus mon téléphone. Il est dans mon sac, c'est pour ça. Tellement de bordel là-dedans, quoi. Bon. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Tu veux pas ouvrir? Voilà. Il va y avoir d'autres ennemis qui sont revenus, non? Ah, c'est pas le moment, hein, c'est pas le moment. Là, j'ai plus de vie, quoi. Voilà, tiens. Bim. Alors elle a gagné sa journée quoi. Je vais exploser le derche littéralement. Alors ici il y a quoi? Là il n'y a pas d'ordinateur. Par contre je crois qu'il y en a un dans la pièce à côté là. Celle-ci. Voilà. Il n'y a pas qu'un ordinateur d'ailleurs. Tiens. Ah bah oui. Surprise. Voilà donc c'est le vert. Ok. Bon, je passe à cinématique, on l'a vu, il me reste le jaune et le bleu. Bien. Ok, ça me paraît pas trop mal. Et j'imagine que les disques, en fait, une fois réunis, je vais devoir les utiliser sur la machine à ADN, là. Ah non. Mais mais c'est trop dur! Mais c'est trop dur! Il y a des gens partout! Le taser, c'est cool. Le taser, ça va vraiment marcher, ça les immobilise, quoi. Alors, je me mets bien là, dans le coin. Regardez. Hop! Bim! Elle sait pas quoi faire! Ah, il y a sa copine! Faut que je fasse gaffe, il va exploser le machin. Je sais pas si c'est des bruits de pas que j'entends ou c'est les bruits du cœur de Anna. C'est confus. Ah, ça c'est bon, ça y est. Ah mais c'est... C'est limite à chaque fois. Hein. Vous avez vu? La crainte. Ça, dès que je suis rentré dans la pièce, genre, voilà. Ça bouge. Ok. Ouais, mais bien sûr, sauvegarde. Ah oui, je pourrais jamais refaire ça. Ah mais le taser, mais qui aurait deviné que le taser c'est l'arme ultime quoi. Vraiment, elle est trop efficace. Allez, vas-y, sauvegarde. Donc, il me reste deux ordinateurs. Il me reste deux ordinateurs et il y en a un qui est pas loin justement. Le bleu, je sais plus en fait. C'est la porte à droite d'Anna, là, je crois. Allez, hop. Là, surtout, on s'avance pas parce que ça fait mal. Poc. Voilà, ça c'est bien. Oh là là. Mais sans le taser, comment je ferais? Je veux dire, je me ferais tirer dessus par le... Par le Power Rangers, ça, pendant que l'autre me frousserait dessus, enfin... Genre, voilà. Heureusement que j'ai cette arme-là. Alors, voilà. Vas-y. Explose. Merci. Donc, là, normalement, il y a un autre moniteur. Voilà, le jaune. En réalité, j'utilise l'échantillon d'ADN jaune. Voilà, et on passe à la cinématique parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Ok, le petit dernier, je sais exactement où il est. Taser, voilà. Tossour. Et j'utilise la carte magnétique. Voilà, bon. Tiens. Ça y est, en fait, maintenant, tous les couloirs, il y a des ennemis qui sont revenus. Histoire de bien t'assurer que tu meurs souvent, tu vois. Allez, relève-toi. Allez, Mkoko. Voilà. Ok, bon, par contre, ça, c'était pas le pire. Le pire,
Le pire, c'est là. Il faut quoi déjà pour passer? Voilà, les cartes génétiques. Le pire, c'est là. Parce que si je me prends un laser, c'est le décès. J'ai eu peur. Je vais sauvegarder. J'espère que ce machin-là va pas se réveiller. Ça serait plus fut de ça. Hein. Vas-y, vite, vite, vite. Vite, sauvegarde. Téléphone. Téléphone. Ah! Vite, vite. Ah, je l'avais pas vu, le petit bâtard. Ah, qu'est-ce qu'il faisait là, lui? Mais je m'en fous, maintenant que j'ai sauvegardé, je suis tranquille. Oh. Sauvegarde en cours, ne pas... Ouais, ouais, non, mais allez, on s'en fout. Allez. Et le dernier écran, là, se trouve juste derrière, ça tombe bien. Ah, mais il est mort direct, lui. Bien. Donc, c'est celui-là, en bleu. Donc, disque d'échantillon bleu, parfait. Ok, j'ai tous les disques. J'ai tous les disques. Je pense que là, on va vers la fin de ce niveau, hein, en tout cas, de cette énigme. C'est une blague. Mais c'est une blague, mais il y a des ennemis vraiment partout, quoi. Regardez, totalement immobilisé le truc. Qu'est-ce que je ferais? Je ferais quoi sur cette arme? Allez, relève-toi. Je sais que tu fais le mort. Tu bluffes, Martoni. Allez, vas-y. Puck. Voilà. Alors, ces machins-là autour, je suis sûr qu'ils vont se réveiller à un moment ou à un autre. Bon, en attendant, c'est là que je dois utiliser visiblement les disques. Donc, je sais pas comment ça se passe. Non, elle veut pas, donc ça doit vouloir dire que je dois utiliser la carte génétique. Et que ça. C'est pas la carte génétique? Ah non, c'est le disque code. Voilà, ok, ouais. Maintenant, les espaces sont remplis. Et il va falloir que je comble les espaces en haut. En fait, il y a une logique dans tout ce qu'on voit là. Par exemple, les rouges et les jaunes vont toujours ensemble, si j'ai bien compris. On va voir si ça continue, là. Voilà, rouge et jaune, oui, visiblement, c'est toujours le cas. Donc, il faut trouver les séquences qui s'emboîtent parfaitement, quoi. Par contre, quand t'as un jaune et un bleu, eh ben, je sais pas quoi faire. Comme ici. Là, il y a un jaune, un bleu. Un vert, un bleu. Un jaune, un rouge. Alors le bleu irait forcément avec le vert. Le bleu va forcément avec le vert. Donc voilà, va falloir trouver un truc là-dedans. Alors il faut que la dernière case soit un jaune de toute façon. Et qu'il y ait... qu'il y ait du vert dedans. Ça ne correspond à rien. Quoi? Ouais, bleu c'est vert. Enfin, les bleus correspondent au vert. Pourquoi je l'ai... Si par exemple je fais ça là... Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas si je fais ça. Il y en a... Mais ça correspond à rien. Il y en a aucun qui veut commencer par un rouge. Oh putain! D'accord! Oh, c'est-à-dire, en plus de sélectionner la bonne séquence, je peux aussi la remodeler. Hein? En fait, je peux l'inverser. Et ouais, effectivement, c'est ça. Je peux l'inverser. Du coup, ça me donne ça ici. Est-ce que ça correspond? Non, ça va pas, ça. Un jaune au début et un rouge à la fin. Est-ce que ça peut être celui-là, par exemple? Non. Comme ça? Non, ça marche pas, ça. Ça marche pas.
Ah, peut-être celui-là. Là, ça a l'air pas mal par contre. Ouais, ça me plaît. Ça, je pense que là, j'ai trouvé la bonne séquence. Tout ça semble plus trop bien au niveau des couleurs. Bon, là, il y a plein de jaunes d'affilée, ce qui va vouloir dire qu'il faut que je trouve plein de rouges d'affilée. Donc, il faut qu'il y en ait trois. C'est peut-être celui-là. Oui, ça m'a l'air d'être le cas. Bon, là, il y en a à chaque fois deux, deux, deux. Donc, il faut que je trouve deux bleus, deux verts. Deux bleus, deux verts qui se suivent. Ça? Eh ben, c'est ça. Oui, regardez, il y a un jaune à la fin. C'est ça. Oui, ok, c'est ça. Au-dessus. Non, au-dessus. Ah, mais ce qu'en fait, en plus, les séquences ne disparaissent pas une fois que tu les as utilisées. Ce qui veut dire que tu peux toujours t'embrouiller, c'est. Tu peux pas te dire, ok, j'ai utilisé tant de séquences, maintenant il me reste que celle-ci à utiliser, donc c'est plus simple. Non, bien sûr que non. Bleu et jaune, et ça finit par. Alors lui, comment? Il termine forcément par jaune. Est-ce que ça peut être celui-là? Non. C'est un jaune par contre. Non, non, pas ça, s'il te plaît. Ah non, j'avais pas vu. C'est un jaune et un rouge après. Jaune, ça, là, ça fait forcément jaune, bleu, rouge. Jaune, bleu, rouge. Jaune, bleu, rouge, il y a celui-là. Ouais, moi je me comprends, je suis désolé. Voilà. Alors. Ah, ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être pas mal. Bon, on passe à la deuxième. Deuxième brin d'ADN, je sais pas comment dire. Pff, elle est gavante cette énigme, putain. Bon. Alors là, c'est très simple. Elle commence par un jaune et il y a deux rouges. Ouais. Jaune et deux rouges à la fin. Comme celle-ci par exemple. Ok, ça me semble bien. Ça me semble pas mal. Alors là, ça doit donner quelque chose comme deux jaunes et un rouge. Deux jaunes et un rouge. Pop, 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 qui se suivent. Là, il y en a trois. Ouais, trois, ça va pas. Ah, bah voilà, celui-là. Deux jaunes et un rouge. On va voir si ça correspond. Ça correspond plutôt pas mal, encore une fois. Là, deux verts. Deux verts, un jaune et du rouge. Comme celui-là. Ouais. Deux bleus, un vert, un jaune. Deux bleus, un vert, un jaune. Deux bleus, un vert, un jaune. Ouais, c'est ça. C'est chiant, hein? Deux bleus, un vert, un rouge. Deux bleus, un vert, un rouge cette fois-ci. Deux bleus, un vert, un rouge. Bon, moi, je me comprends dans ma logique, hein. C'est comme celui-là. Ok, ça correspond. Deux bleus, trois rouges. Deux bleus, trois rouges. Ça, deux bleus, trois rouges, et ouais, c'est celui-là. Ouais, ça semble parfaitement. Un bleu, un rouge, trois jaunes. Non, c'est deux bleus, un rouge, trois jaunes. C'est ça alors, c'est celui-là. Tu vois, ouais, c'est ça. Et ce qui semble être le dernier, deux bleus, trois rouges. Deux bleus, trois rouges. Celui-là? Ah, je crois que c'est lui. Ça y est. Payday, Rain. I got the stuff. Now let's get out of this joint and have a real party. Finally, this tight suit is beginning to cut off my circulation. Oh shit!
going on? Are you okay? Still in one piece, sort of. We're up to our asses now. Stay sharp. They might be coming for you. That's a comforting thought. The place is crawling with security. We're gonna have to come up with Plan C real quick if we want to live to see New Year's. Think, Rain. Think! We need a distraction. A huge distraction. There's enough deadly stuff around here. I'm sure I can whip up something. Just hang on. I am! C'est urgent. Putain, il est badass ce plan. Donc je dois distraire. Moi je dois trouver une sauvegarde vraiment. J'ai pas envie de me retaper la même énigme là, que je viens de faire. Bon ça va. Il n'y a pas un chrono en tout cas. J'ai le temps. C'est quoi? C'est un placard ça? Ouais ça c'est un placard. Alors je me souviens plus de cet endroit maintenant. Je me souviens plus du tout de cet... Attends, si je me souviens bien, là il y a une sauvegarde. Ok. Juste, voilà, je vais sauvegarder. Et après, je m'occupe de la fin de l'énigme. Parce que là, pour l'instant, on va dire que je suis un peu tendu. Hein? Je me sortirai mieux quand j'aurai sauvegardé. Ce stress-là de la sauvegarde, on le ressent plus aujourd'hui avec nos jeux vidéo. Ils sauvegardent automatiquement, alors forcément. Qu'est-ce que j'ai sur moi? Carte passe-partout, carte de... salle vidéo... J'ai une mini-charge explosive. Je pense que c'est pas mal pour faire une distraction, une mini-charge explosive. Maintenant, il faut trouver où l'utiliser. Est-ce que ça, là, ça, j'en suis jamais servi de ça, là. Est-ce que je peux utiliser ma... je sais pas. Oui ? Please disable your weapons. Ah, c'est fait gauler. Bon, veuillez désactiver vos armes. Ouais. Qu'est-ce que c'est ici? Oh là là, il y a plein de monde. J'ai pas intérêt à faire le malin, là. Donc, elles sont en train de bosser sur je sais pas quoi. Faites pas attention à la fille qui rentre dans les autres filles. Oh, elle est verte, elle. About time you got here. Here's the experimental culture for the bioweapons division. Put it in that level 5 incubation containment storage there. Be extremely careful with it. One slip and you may make this place a cemetery. Ok. C'est peut-être le but. Oh, sauvegarde. Allez. Bah oui, je sais, je viens de sauvegarder, mais... qui refuserait une sauvegarde gratuite, offerte, comme ça? Tiens, donne. Prends la sauvegarde, je te la donne. Allez, à toi. Agir. Ah bah je dois donner le... Parce que le machin qu'il vient de me donner là, c'est quoi? C'est Ah non. Je dois faire quoi? Ah, l'explosif, évidemment. Warning. Level 5 biohazard contamination breached. Emergency lockdown and purging sequence initiated. Evacuate immediately. 5 minutes and counting. Hannah, is that a big enough distraction for you? My God, Rain, what'd you do? It's a madhouse out here. I wanted a distraction, not contamination. Don't worry, we're safe. I blew the shield of a high-level containment chamber. It was empty, but they don't have to know that. Meet me in the elevator. Right on. She's the one. Get her. Hola, hola, hola. Hop. Hop là. Eh, t'as pas vu, je t'embrouille. Quick. Allez, on fait son petit ninja là. Ah putain. Ils sont chiants les machins là. Non, c'est pas par là qu'il fallait que j'aille. Ah bah oui, c'est la mort là. Ah bah oui. Il y a trop de gens et vous avez vu que je peux pas utiliser en fait mes armes. J'ai pas le temps de l'armer. Voilà là. Voilà là là là. Oh là là. Allez. Hop. 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 Et hop.
Mais regardez ça, quoi. Elle te bloque les filles, mais bordel. Alors. Allez, hop. Regarde si je tente une sauvegarde, là, genre. Quoi que ça se tente. Genre, je sauvegarde en plein milieu. Hop. Raté, raté, raté. Très bien. Oh là là. Oh, que ça s'est bien passé, là. Ah, c'était beau. C'était beau. Ah. Allez, sauvegarde. J'ai le temps, je m'en fous, je sauvegarde. Je vais sauvegarder, mais pas sur ma... Voilà, je vais garder là. Tu vois. Alors là, je vais certainement mourir. Mais qu'est-ce qui va se passer après, en reprenant cette sauvegarde? Déjà, j'aurais plus beaucoup de vie, c'est sûr. Bon, voilà. On va rigoler. Ah ouais, ça me remet... ça me remet là, il n'y a plus de vie. Ah ouais, d'accord. Ça va peut-être pas être possible, ça. Hein. Oui, reprendre. Ah, peut-être que... Oh, il y a peut-être... Oh, OMG. J'ai pas d'arme à part mon poing. Je vais le fister à mort. Bah, c'est pas... Je veux dire... C'est pas le meilleur gameplay du monde, toi. Tu vois. Bon. Du coup, je reprends là. Bah ouais, bien sûr que je reprends là. Bon, ça devrait le faire, mais ceci dit. Voilà. Non ! Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai réussi à pas... Je suis mort dans la cinématique ? Ah d'accord, en fait c'est une cinématique au cas où tu te fasses tuer à cet endroit-là. Ils ont prévu le coup, quoi. Genre tu te fais allumer. Tu fais allumer grave, même. Ah mais non, c'est bizarre en fait que ça fasse ça. Tout à l'heure, c'est passé, mais super bien, quoi. Oh là là, puis elle, là... Ça y est, là, ça repasse. Allez, un duel de Mongol. Ah, ce duel tout pourri! Ah, comment c'était pourri du cul! Shall we go, darling? Yes, most certainly, darling. Ta-ta. On? What the hell are you doing to me, Jin? Look, my source told me they're expecting two other couriers there. Screw them! I'll sell the damn thing to Ping and save me the trouble. Hana, you know better than to undercut your employer. That's the reason why you were sent to take care of Lung. Remember? Come on, Hana. It's not the end of the world. Yet? Just do me this one small favor. I'll let you in on this little runaway job. It's one hell of an easy job. This next job better be worth it, Jin. Usually, the less we know about what we steal, the better off we are. I just want to make sure we pulled the right thing. You know, this could very well be the Retro Helix. So, what does it do? Without the marker? Not much. As a bonus, I picked up this little canister of pure evil when I set off the false alarm back in Wing Chun. What is it? It's some kind of doomsday virus. No! Are you crazy? Dump it. It's not like we can just open up the can and flush it down the toilet.
we're kind of stuck with it. Oh, great. Oh, by the way, Jin just dropped another change of plans on us. Now I have to take this damn thing to Xi'an. Xi'an? No one goes to Xi'an. It's one giant haunted tomb. I don't like this one bit. I'm going with you. No, I have to go alone. That's the deal. Maybe they chose Xi'an because no one ever goes there. I just have a bad feeling about this. Please let me go with you, Hannah. Look, I know this is hard for you, Rain. Everything's gonna be fine. I promise. Tiens. Oh, on va rejouer un de nos bons vieux compères. Ah, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu celui-là, tiens. Enfin, en tout cas, depuis le début de l'aventure, on l'avait plus vu. Et à part dans la cinématique d'intro, quoi. D'accord, oui, parce que oui, hein, je rappelle, même si il lui est effectivement arrivé quelques bricoles dans Fear Effect, ici c'est un préquel. Donc, il est encore là. Voilà, pour ne pas vous spoiler Fear Effect. Hein. Bien, ok. Bon, bah c'était chiant, c'était très très chiant. Alors, la phase de poursuite à la fin était infernale, mais en plus d'avoir ajouté un boss... Je l'ai passé en... J'ai l'impression d'avoir glitché le jeu. Le mec tirait ses roquettes un peu partout. Enfin, je suppose qu'il y avait un moyen plus technique de le passer plutôt que de s'accroupir et tirer comme un malade. Mais bon, c'est passé. J'avais pas envie de tourner autour du boss et de reviser. Parce que je rappelle, la visée n'est pas totalement automatique. Faut quand même que tu te mettes en face du truc pour qu'il puisse bien le viser. C'est pas facile, quoi. Vraiment, c'était chiant. Bref... Bah du coup je vais vous laisser là, avec ce... Voilà, ça manque de poubs, hein, du coup, tout d'un coup, avec ce monsieur, mais voilà, on va en apprendre plus sur leur rencontre avec Anna, ça sera pour la prochaine fois. Merci de m'avoir suivi, je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt. Voilà.